Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Nana Jewelry Cuisine. Ça fait longtemps que je n'ai pas montré mon visage. Me voici. Vous savez tous que j'ai eu un accident, que je me suis fait écraser par un bus à Londres. Et donc, je suis toujours en convalescence. J'ai toujours cette cage au pied qui pèse à peu près 2 kilos. Et j'en ai marre. Ça fait 7 mois que je me traîne ça au pied. J'en ai ras le bol. J'en ai ras le cul. Mais bon, voilà. Alors, aujourd'hui, on va pas parler de cuisine. On va parler d'un sujet dont qui a fait fureur sur Facebook, notamment dans la communauté anglophone. Comme vous savez, je suis ghanéenne et le Ghana est un pays anglophone. Donc, c'est un groupe féminin. Et donc, je connais à peu près le point de vue de mes amis anglophones. Mais je me suis dit, bon, ben, comme je suis aussi francophone, j'aimerais bien avoir le point de vue de mes abonnés sur YouTube, sur ma chaîne francophone. Et donc, voilà. Donc, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu, que vous me donnez votre avis, que je vous donne mon avis et que, voilà, qu'on commence par là. Et c'est, voilà, c'est un nouveau truc que j'ai décidé d'introduire récemment, voilà, parce qu'on va pas toujours parler de recettes, hein, il faut un peu varier. Et donc, voilà, donc, la question d'aujourd'hui, enfin, que j'ai vue sur un groupe Facebook est, faut-il... Que pensez-vous d'un homme qui compte épouser une femme qui a déjà un enfant? Voilà. Est-ce bien de marier une femme qui a déjà un enfant? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est une question complexe peut-être. Parce que moi, je pense que d'abord, si il faut aimer la personne, parce que si tu comptes épouser la personne, si tu l'aimes, si la personne a déjà un enfant, tu épouses la femme et son enfant, et ensuite toute la famille. Tu n'épouses pas seulement la femme. Tu vas pas dire bon ben c'est bon, je viens t'épouser, mais ton fils ou ta fille tu le laisses à côté. Non, mais ça marche pas. Donc voilà, moi je pense que c'est pas une mauvaise idée. Notamment c'est bien, surtout si la personne qui a un enfant, l'enfant n'a jamais connu son père par exemple, ben voilà, ce serait un nouveau départ pour l'enfant, qui puisse connaître une personne qui va l'aider sincèrement, quoi, une personne qui pourra appeler papa. Et d'ailleurs, pour moi, un papa, c'est la personne qui s'occupe de l'enfant. C'est pas la personne qui l'a mis au monde. C'est vraiment pas ça. C'est la personne qui va s'en occuper toute sa vie. Ça, c'est un papa pour moi. Et donc, voilà, je trouve que c'est pas une mauvaise idée du tout. Parfois, ça arrive, c'est difficile. C'est difficile parce que peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle va traiter votre enfant d'une manière peut-être que vous trouvez qui est injuste. Peut-être que consciemment, dans votre tête, vous pensez que la manière dont la personne s'occupe de votre enfant est pas juste. Peut-être que vous pensez qu'elle crie sur cette personne un peu plus que sur ses propres enfants, ou je ne sais quoi, vous voyez, qu'elle la traite injustement, quoi. Ça aussi, ça arrive, mais peut-être que c'est dans votre inconscient, vous pensez que voilà. Alors que peut-être que la personne avec qui vous êtes ne pense pas du tout ça, mais ça arrive souvent. Et donc, et aussi, je pense que la personne parfois hésite à épouser ce genre de femme parce qu'elle se dit, ah ben, peut-être que je vais avoir des soucis avec le père biologique de l'enfant. Il va peut-être venir demander à voir son enfant, à faire des visites, à prendre son enfant pour des vacances. Et donc, oui, voilà, ça va poser un petit problème. J'ai pas envie de voir cette personne. Mais bon, ça arrive, mais tout ça, c'est la communication, je pense, hein. Il faut parler. Mais donc, si vous aimez vraiment la personne qui a un enfant, allez-y, quoi. Allez-y et occupez-vous bien de l'enfant et Dieu vous bénira. C'est ce que je pense. Et donc, voilà...
J'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez, mes amis francophones? L'avis des hommes, des femmes, est-ce bien d'épouser une femme qui a déjà un enfant? Et vice-versa, hein? Et vice-versa, est-ce bien d'épouser un homme qui a déjà un enfant? Qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est un homme, la femme, comment allez-vous réagir si l'homme il a déjà un enfant ou deux enfants? Allez-vous accepter l'enfant comme votre propre enfant? Ou bien soyez franc, est-ce que ce sera difficile pour vous d'accepter l'enfant ou pas? Ok, donc j'espère que notre nouveau sujet vous intéressera. On parlera de plein de choses. Ça fait 10 ans que je suis mariée, presque 10 ans, et donc j'ai connu des hauts et des bas. Je connais des techniques pour garder votre mariage, parce que franchement, j'ai 34 ans maintenant, et je veux dire, avant j'étais une boule de feu, quoi. Hein. J'ai pas mentir, hein. J'étais une boule de feu. Je me croyais trop belle. Je croyais que tous les hommes étaient à mes pieds et tout. Hein. Donc, c'est avec l'âge, avec la maturité, on se dit, oh, putain, qu'est-ce que j'ai fait avant, quoi. Je me prenais pour qui, quoi. Vous voyez? Et donc, voilà, je veux bien partager les choses de ma vie, ce que j'ai fait, les trucs bien que j'ai fait, les trucs vraiment pas bien que j'ai fait. Et donc, voilà. Mais j'aimerais bien commencer par ce sujet. Ok, donc laissez-moi vos messages et on continuera à parler de ce sujet. Et si je lis un commentaire qui m'intéresse vraiment vraiment, ben je ferai une vidéo et on continuera à parler de ce sujet là. Ok, et aussi n'oubliez pas de regarder mes recettes. Je continue à poster des photos. Ok. Attendez, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que je vais continuer à poster des photos. Non, je vais continuer à poster des vidéos. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Et donc voilà, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Mais mon Instagram, il est plutôt anglophone. Mais c'est pas grave. C'est it's_dury sur Instagram, si jamais vous voulez me suivre, ok? Donc, répondez-moi, laissez-moi des questions et des commentaires, et on se retrouve plus tard. Salut!